tous. Othmane Gabardi vous présente chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite un variateur électronique de vitesse. Un variateur électronique de vitesse est un dispositif destiné à régler la vitesse et le couple d'un moteur électrique à courant alternatif en faisant varier la fréquence et la tension, respectivement le courant, délivré à la sortie de celui-ci. Leurs applications vont des plus petits aux plus grands moteurs, comme ceux utilisés par les berceuses. Alors qu'environ un quart de la consommation d'électricité mondiale provient des moteurs électriques utilisés par l'industrie, les variateurs de vitesse ne restent que peu répandus, alors qu'ils permettent d'importantes réductions de consommation d'énergie. Les progrès de l'électronique de puissance ont permis de réduire le coût et la taille des variateurs de vitesse ces quatre dernières décennies. Ils ont concerné à la fois les interrupteurs semi-conducteurs utilisés, la topologie, les méthodes utilisées en contrôle commande et en simulation, ainsi que le matériel et les logiciels employés pour la commande. Les variateurs de vitesse peuvent être soit basse tension, soit moyenne tension. Certains fonctionnent en onduleur, d'autres en redresseur, onduleur. Principe et description modifiée. Principe du variateur de vitesse. Un variateur de vitesse est constitué d'un moteur électrique à courant alternatif, d'un contrôleur, d'une interface utilisateur. Il fait partie d'un système d'entraînement 1-2. Moteur électrique à courant alternatif modifié. Les moteurs électriques à courant alternatif utilisés dans les variateurs de vitesse sont principalement des moteurs asynchrones triphasés. Il est également possible d'employer des moteurs monophasés, mais le cas est plus rare. Les moteurs synchrones présentent des avantages dans certaines situations, toutefois ceux asynchrones sont globalement moins coûteux et adaptés à la plupart des utilisations. Les moteurs des variateurs de vitesse sont souvent conçus pour avoir une vitesse de fonctionnement fixe. Les surtensions imposées par les variateurs de vitesse rendent une conception adaptée indispensable pour le moteur. Que d'en ajuster la vitesse. Elle peut aussi inclure le fonctionnement du moteur en sens opposé, un sélecteur pour choisir entre commande manuelle ou automatique, respectivement locale ou à distance, de la vitesse. L'interface dispose d'un affichage donnant des informations sur le statut du moteur. Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports d'entrée ou sortie sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux. Un port par exemple série sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchrone modifié. Cadran d'un moteur asynchrone. Les moteurs asynchrones peuvent fonctionner de quatre manières différentes, appelés cadrans et définis comme suit. 19. Cadran 1, en moteur sans avant. Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fournit du couple au rotor. Cadran 2, en frein ou générateur sans arrière. Le moteur tourne dans le sans arrière, le couple est négatif. Cadran 3, en moteur sans arrière. Le moteur tourne dans le sens opposé à celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif. Cadran 4, en frein ou générateur sans avant. Le moteur tourne dans le sens avant, mais le couple est négatif, le moteur freine le rotor. Les variateurs de fréquence peuvent, selon les cas, être construits pour autoriser le fonctionnement dans un, deux ou quatre cadrans. Dans le premier cas, seul le cadran 1 est géré. Un freinage n'est possible que par l'adjonction d'une résistance absorbant le courant généré par le moteur. Le freinage n'est pas piloté. Les ventilateurs ou les pompes centrifugeuses utilisent ce genre de fonctionnement. Si les cadrans 1 et 2 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en inversant le sens de rotation. Si les cadrans 1 et 4 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en sens avant. Les dispositifs 4 cadrans gèrent tous les cas possibles.
démarrage et arrête modifié. Afin d'éviter de forts courants d'enclenchement au démarrage des moteurs, les variateurs de fréquence appliquent tout d'abord une fréquence et une tension faibles au moteur. Elles sont ensuite augmentées progressivement. Les méthodes de démarrage permettent typiquement au moteur de développer 150% de son couple nominal tout en limitant le courant à 50% de sa valeur nominale à faible vitesse. Un variateur de fréquence peut aussi être configuré afin de produire un couple de 150% de son nominal de la vitesse nulle à la vitesse nominale, 20. Cette configuration a cependant tendance à faire chauffer le moteur si la période de faible vitesse se prolonge. L'ajout de ventilateur est une option pour dissiper la chaleur produite. La séquence d'arrêt d'un moteur avec un variateur de fréquence est l'opposé de la séquence de démarrage. La fréquence et la tension sont diminuées progressivement. Quand la fréquence devient proche de zéro, le moteur est arrêté. Un couple de freinage faible est alors appliqué pour que le moteur arrête de tourner en roue libre plus rapidement. Un circuit de freinage extérieur peut rendre le freinage plus rapide. Il est constitué de transistors et de résistances, il dissipe l'énergie contenue dans le circuit. Les variateurs de fréquence 4 cadrans peuvent également freiner le moteur en envoyant l'énergie dans le réseau électrique. Intérêt : différents types de variateurs de vitesse modifiés. Topologies modifiées. Topologie d'un onduleur en source de tension. Topologie d'un onduleur en source de courant. Convertisseur à 6 pas, I, tension phase-terre dans le pont redresseur, I, tension phase-phase dans le circuit intermédiaire, I, tension à la sortie de l'onduleur, le courant est en pointillé. Convertisseur à matrice directe. Convertisseur à cascade hyposynchrone. Les variateurs de vitesse peuvent être classés selon leur topologie, c'est-à-dire les relations entre leurs différents éléments, 28. Onduleur en source de tension, voire ci-contre, la tension continue sortant du pont redresseur est lissée à l'aide d'une capacité. L'onduleur utilise généralement la modulation de largeur d'impulsion sur la tension. Onduleur en source de courant, voire ci-contre, le courant continue sortant du pont redresseur est lissé à l'aide d'une bobine. L'onduleur utilise soit la modulation de largeur d'impulsion sur le courant ou un convertisseur à 6 pas. Convertisseur à 6 pas, voire ci-contre, 29, globalement obsolète, les convertisseurs à 6 pas peuvent être utilisés en source de tension ou de courant. On parle parfois d'onduleur à tension variable ou d'onduleur à modulation d'amplitude PAM 30, de Square Wave Drive ou de DC. Chopé Inverter Drive 31. La tension continue sortant du redresseur est lissée grâce à une capacité, des bobines sont également connectées en série. Le circuit intermédiaire est relié à un onduleur transistor d'Arlington ou des IGBT quasi-sinusoïdales qui fonctionne soit en source de tension soit en source de courant. 32. Onduleur en source de courant commuté par la charge. L'onduleur fonctionne en source de courant et utilise des thyristors à la place des interrupteurs commandables des autres onduleurs en source de courant. La commutation des thyristors est assurée par la charge. Ce circuit est connecté à une machine synchrone surexcitée. Convertisseur à matrice ou cycloconvertisseur, voire ci-contre, ce sont des convertisseurs AC-AC qui n'ont pas de circuit intermédiaire. Ils se comportent comme une source de courant triphasé et utilisent trois ponts triphasés de thyristor ou d'IGBT dans le cas des convertisseurs à matrice connectés de manière antiparallèle. Chaque phase du cyclomoteur convertit la tension à la fréquence du réseau en une tension à fréquence variable. À cascade hyposynchrone, l'onduleur prend de la puissance dans le rotor pour la renvoyer dans le réseau AC. Le glissement s'en trouve augmenté. La vitesse du moteur est commandée par le courant continu. Méthode de commande est modifiée. Article connexe, transformé de Park et transformé de Clark. La plupart des variateurs de vitesse utilisent une des trois méthodes de commande suivantes, 33. Commande scalaire, aussi dite UHZ, associée à une modulation de largeur d'impulsion.
commande vectorielle associée à une modulation de largeur d'impulsion. Commande directe du couple. Type de charge modifié. Les variateurs de vitesse sont aussi caractérisés par le type de charge auquel ils sont connectés. Couple variable, par exemple les pompes ou les ventilateurs. Couple constant. Puissance constante, comme pour les machines-outils ou les tractions. Puissance possible est modifiée. Les variateurs de vitesse peuvent utiliser des tensions et des courants nominaux de taille très variable. Ils peuvent être monophasés ou triphasés. Ainsi, les variateurs de vitesse basse tension ont une tension de sortie de 690 volts ou moins et une puissance allant jusqu'à 6 MW 34. Toutefois, pour des raisons économiques, les variateurs de vitesse moyenne tension de bien plus faible puissance sont privilégiés. La topologie dépend de la tension et de la puissance. La tension de sortie est définie par les IGBT qui ont généralement une tension nominale de 2,3 kV ou 3,3 kV. Un fabricant de semi-conducteurs propose également des thyristors de tension nominale 12 kV 35. Dans certains cas, un transformateur est placé entre un variateur de vitesse basse tension et un moteur moyenne tension. Ces derniers ont une puissance comprise typiquement entre 375 kW et 750 kW. Historiquement, ils ont requis un travail de conception très supérieur aux moteurs basse tension, 36, 37. Certains modèles ont une puissance de 100 MW, 38, 39. Liste de variateurs de vitesse modifiés. Les variateurs de vitesse peuvent être classés de deux manières. En fonction du type de machine tournante,